Au centre d'expérimentation des Landes, les techniciens français préparent fiévreusement le lancement d'un nouveau type de fusée dont l'ogive contient un système ultra-secret de téléguidage. Mais Michel Tanguy et Ernest Laverdure sont bien loin de ce problème. Ils viennent d'arriver à la base aérienne de Boussefer, en Afrique du Nord. Voilà, les deux jets de chez vous, que vous êtes chargé de ramener à Istres. C'est tout? C'était bien la peine de déplacer deux pilotes de notre classe pour... Oui, mais les deux avions sortent tout juste de réparation. Ah. Alors vous auriez peut-être intérêt à faire un ou deux vols d'essai. Ça vous éviterait de terminer la traversée de la Méditerranée à la nage. C'est réconfortant. Pour ne pas perdre de temps, vous feriez bien d'effectuer un premier vol de prise en main cet après-midi. Yankee Zulu de Kilo Bravo. Ça va chez toi? Yankee Zulu? Ça en a l'air. De Kilo Bravo. On rentre? De Yankee Zulu. Va devant. Je vais faire un dernier petit circuit au-dessus du désert. J'en profiterai pour tester ma radio. Ok, mais ne t'écarte pas trop de la base, hein. Et sois bien sage, j'ai compris, papa. Ciao! Ciao! Approche de Yankee Zulu. Je vous appelle pour contrôle radio. Comment me recevez-vous? Yankee Zulu de Boussfer Airport. Je vous reçois Fort 5, Clair 5, terminé. Merci Boussfer, terminé. De Yankee Zulu, j'appelle B. Qu'est-ce qui se passe? Alors tout de suite après, plus de communication avec le sol, plus du tout. Et alors le parasitage, alors j'étais obligé de couper la réception. Ouais, c'est dangereux, intéressant ça, non? Ah oui. Mais il faudrait que j'entende ça encore une fois, moi. Dites donc, la verdure, comment ça a commencé au juste? On n'a rien à voir comme ça, là. Alors, voyons, messieurs, voyons. Un peu de calme, tout ça est certainement très intéressant. Lieutenant Laverdure, vous me ferez votre rapport. Par écrit. J'y tiens. Oui. Hier, j'étais un héros. J'avais sauvé l'ogive. Aujourd'hui. Ah, tiens, à propos. Dans moins d'une heure, votre fusée sera lancée. Tu vas commencer à être nerveux dans les Landes. Attention, attention. Ici, poste central de commandement du champ de tir des Landes. Dernier appel à tous les postes de surveillance concernés par le lancement de la fusée Nathalie. Au cinquième top, il sera H-50 minutes. Je répète, au cinquième top, il sera H-50 minutes. Plus que 15 minutes avant le lancement de la fusée. Maxime, tout est prêt? Nos opérateurs ont pris la veille sur les fréquences de téléguidage de l'engin. Dès qu'ils enregistreront le top de départ, ils déclencheront le système de brouillage. Je paierai cher pour voir la tête de leurs ingénieurs, quand ils s'apercevront que le missile échappe à leur contrôle. Notre essai d'hier a été parfait en tout point. Malgré la distance à laquelle nous opérions, nous avons réussi complètement à briser les émissions de l'avion au-dessus du Sahara. Et nous risquons surtout de voir les Français se ressaisir très rapidement, dès qu'ils auront compris ce qui se passe. Qu'est-ce qu'ils peuvent y faire?
Nous saturons complètement la fréquence sur laquelle ils peuvent commander la destruction de l'engin. Les PPV sont faits? Oui, l'avion est prêt. Merci. Alors, mon commandant, on va se quitter. Il n'y en est plus question pour le moment. Ah oui? Il est interdit de traverser la zone de lancement pendant une heure après le tir de la fusée. Comme c'est sur votre route, il vous faudra attendre le feu vert avant de décoller. Et sauf arrêt du compte à rebours, le lancement doit être imminent. Alors, venez plutôt prendre un verre. Bon. Merci. Et voilà. Attention pour H-15. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, commencez 5, à augmenter l'intensité de notre 4, mission. 3, 2, 1, feu. Attention. La fusée dévie. Trajectoire incorrecte. 10 degrés sud. La déviation s'accentue. L'écart est considérable. Pouvez-vous le corriger? Je suis à pleine puissance sur la fréquence de téléguidage et je n'arrive pas à redresser la course de l'engin. Nous avons perdu tout contrôle sur la trajectoire de la fusée. Elle dévie. Elle a complètement quitté la trajectoire prévue. Ils vont tenter de la détruire. La fusée dévie plein sud. Plus d'espoir. Il faut commander sa destruction. Détruisez la fusée. Destruction effectuée. Ici radar de poursuite Aquitaine. Je continue à recevoir l'écho de l'engin. Sa destruction n'a pas été effectuée. Mais voyons, c'est impossible. La trajectoire continue à s'inscrire. D'Aquitaine, séparation de l'ogive et de la fusée effectuée normalement. Elle retombe droit vers l'Atlas. C'est imaginable. Aucune de nos commandes de téléguidage n'a fonctionné. C'est absolument anormal, il est arrivé quelque chose. Mon colonel, nos émissions ont été brouillées, neutralisées, annihilées. Nos postes d'écoute et de poursuite confirment tous, l'un après l'autre. PC de tir à tous les radars de poursuite. Relevez aussi exactement que possible la courbe de retombée de l'ogive. Elle retombe vers l'Atlas. Les montagnes vont gêner l'orpérage des radars. Elle va retomber intacte au bout de son parachute. C'est la catastrophe. Maxime, calculez et reportez aussi exactement que possible sur la carte le secteur où s'est produit l'atterrissage de l'ogive. Communiquez vos relèvements à nos avions. Dès qu'ils auront repéré l'engin, que nos équipes de récupération décollent. Messieurs, notre ogive est retombée quelque part dans ce secteur. Probablement intacte. Il faut absolument la récupérer. Oui, l'alerte générale est lancée. Malheureusement, sur place et dans l'immédiat, nous ne disposons que de moyens aériens très limités. Tous nos appareils de repérage sont au-dessus de l'Atlantique. Les seuls appareils susceptibles d'intervenir tout de suite sont deux super mystères du CEV. Actuellement, ta bousphère. Qu'il décolle immédiatement. Tu parles d'une histoire. Paumer une ogive ultra secrète. Ah, ces ingénieurs, on ne peut plus rien leur confier, ils perdent tout. J'ai l'impression qu'on n'est pas prêt d'arriver à Istres.
Ah oui. Toi qui voulais voir le désert, ben tu vas être servi. Bon, dis donc, dardard. Hein. Ah, d'accord, oui, oui. Nous venons d'intercepter un message. Deux avions de chasse viennent de décoller de Boussefer. Ils se dirigent vers la zone de retombée de l'ogive. Prévenez nos propres appareils en vol dans cette région. Et trouvez-moi la fréquence sur laquelle émettent les deux appareils français. Nos radaristes vont tenter de les localiser. En cas de rencontre, quels sont vos ordres? Les abattre. Yankee Zulu de Kilo Bravo, nous abordons la zone de recherche. Nous descendons jusqu'à 5000 pieds. Bien compris, Kilo Bravo. T'as vu comme c'était en dessous? On aura du bol si on retrouve notre petite tête d'agile, avec toutes ses bosses. De la repérer sans trop de mal. Dégage à un nautique sur ma droite. Nous couvrirons une plus large portion de terrain. Bien compris, Kilo Bravo. Ça y est, nous avons réussi à accrocher la fréquence des chasseurs français. Parfait. Du nouveau? Non. Ils survolent la zone de recherche. Apparemment, ils n'ont rien trouvé. Vous les avez repérés? Je les suis. Cachalot d'épervier jaune, reçu. Kilo Bravo, toujours rien? Rien. Dis donc, Michel, le pétrole commence à baisser. Il faudrait peut-être faire demi-tour. Ernest, on pousse encore jusqu'au sommet devant. Et on revient. Oui, Michel. Regarde. À 2 heures, là. Des débris. Ernest, c'est le point d'impact de la fusée. L'ogive ne doit pas être loin. J'alerte Boussefer. De Kilo Bravo à Boussefer Radar, nous venons de repérer des débris. Probablement ceux de la fusée porteuse. Je vous donne la position. On nous coiffe sur le poteau. Nous avons un pilote à moins de 20 nautiques, d'eux. Amenez-le dans le dos des jets français. Qu'il les descende par surprise. De cachalot à épervier jaune. Objectif dans vos 30 degrés. Pour 20 nautiques, virez par la droite au cap 0, unité 5. Pour interception immédiate. Cachalot d'épervier jaune. Reçu. Je vire au 0, l'unité 5. Cachalot d'épervier jaune. Objectif en vue, droit devant moi. Tout va très bien. Ils volent très écartés l'un de l'autre. Je m'en occupe l'un après l'autre. Ernest! On tire dans le trou! Je vois Michel! Je vois Michel! Attention! Dégage! Dégage! J'arrive! Attention! Ernest, je m'éjecte. Michel, Michel.
cachalot des Poiriers jaunes. Ça y est, j'en ai envoyé un au tapis. Un autre. Ils virent, ils me font dessus. Procédure de recherche. Je vais tenter de repérer le lieu d'atterrissage de mon équipier. Le patron fout le camp! Le patron fout le camp! Mon réservoir a été touché! Je suis obligé de m'éjecter! Mon vieux. Dites-leur que je ne dispose aucun moyen aérien sérieux pour tenter de retrouver les deux pilotes abattus. Il me faut les renforts, d'urgence. Et surtout des hélicoptères. Après, vous lancerez un avis général de recherche à tous les avions civils en vol au-dessus du Sahara. Bien, colonel. Je vais contacter les forces aériennes d'Algérie et du Maroc. Tanguy et la Verdure ont dû tomber tout près de la frontière. Tu sais, il m'a bousillé mon réservoir, le salaud. Ah, mais je l'ai eu, hein. Alors j'ai été obligé de me poser en catastrophe. Me voilà. Tiens, drap. On va grimper là-haut avant la nuit. De Yankee Zulu. Alors ça va être la catastrophe, il ne va plus y avoir de batterie.
Mayday. Mayday de Yankee Zulu. Yankee Zulu, de Fox Papa Victor, long courrier Air France. Je vous reçois faiblement. Ernest, ça y est, j'ai accroché un avion civil. C'est vrai? Ouais. J'appelle Fox Papa Victor. Ici lieutenant Tanguy Laverdure. Nous avons été descendus, mais nous sommes sains et saufs. Prière alertée immédiatement. Terrain français à Boussevert. Ignorons notre position exacte. Je répète. Mon colonel, un Boeing d'Air France qui survole le Sahara vient de capter un message de détresse. Tanguy et Laverdure sont ensemble. Et l'ogive. Qu'est-ce qu'ils fabriquent à la base? Hein? Je te le demande. Ils vont pas nous laisser sécher ici, non? Ah, puis ce vent, là. Si au moins il y avait un peu de flotte. Qu'est-ce que tu veux trouver au milieu de cette rocaille? Il n'y a même pas un trou d'eau. Il doit quand même pleuvoir dans ce bled, non? Je te parie que de là-haut, on peut voir s'il y a de la flotte. Je te parie. Tu vas te crever pour rien. Au lieu d'avaler une pilule de sel. Toi, t'es toujours ennemi du moindre effort. Ah, moi, je la fais plus, tant pis, j'y vais. Qu'est-ce qu'il y a? Viens vite, je te dis, viens voir, là! C'est pas beau, ça? Bravo! Alors, appelez-moi, commandant. Le ciel nous fait rêver. Bagarre entre